Bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or. Alors, dans la lignée, un petit peu dans le même esprit que quelques vidéos que j'avais faites il y a plusieurs mois déjà sur des mystères. Donc, je ferai peut-être une playlist pour que vous puissiez les revoir plus facilement parce que sinon, il faudrait revenir beaucoup en arrière. Donc, j'avais fait sur l'Atlantide, sur Rennes-le-Château, sur le col de Vence et où il y a des apparitions d'ovnis. Donc selon certains. Et là, en fait, c'est André qui m'a suggéré dans un sujet que j'ai trouvé très intéressant et qui pourrait rentrer dans cette série de vidéos que je vais intituler Mystère. C'est les trompettes de l'Apocalypse. Alors, j'ai regardé brièvement, c'est-à-dire que, bon, pour savoir de quoi ça parle, donc André m'avait envoyé un lien d'une vidéo. Alors en fait, à partir des années 70, mais surtout dès 2012 apparemment, donc il y aurait des personnes qui auraient filmé, qui auraient mis sur des réseaux sociaux des sons qui proviennent du ciel. Alors dans tous les pays du globe, hein, ils ont montré la carte, c'est vraiment dans tous les pays. Donc c'est des sons qui ressemblent à des trompettes, effectivement, hein, ça fait des sons un peu bizarres. Alors je vous invite à juste taper dans YouTube « trompette de l'Apocalypse » et vous verrez des tas d'extraits. Donc moi j'en ai jamais entendu ni filmé, donc je ne peux pas vous en mettre, mais il suffit de faire cette recherche sur YouTube et comme ça vous verrez tout de suite à quoi je fais allusion. Et alors il y a eu différentes explications, hein, scientifiques, naturelles, religieuse et donc notamment donc au niveau scientifique que ce serait du bruit causé par des ondes sismiques, hein, des plaques tectoniques qui se touchent ou alors des bruits d'usines, d'explosions dans des usines. Il y en a qui ont parlé d'ondes émises par des sous-marins, enfin il y a des tas d'explications, mais donc au final personne n'en sait rien. Et l'aspect religieux en fait qui domine, hein, c'est-à-dire que donc c'est simplement pour vous situer d'où ça vient dans les prophéties. C'est le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, hein, donc je me suis renseignée pour ne pas vous dire n'importe quoi. Donc, il est question dans l'Apocalypse de 7 fléaux qui s'abattraient sur la terre et qui seraient annoncés par 7 anges, donc qui sonneraient dans des trompettes. Et chaque ange qui sonnerait dans donc, la première trompette, la deuxième, la troisième, jusqu'à la septième, annoncerait à chaque fois des fléaux qui s'abattraient sur la terre, jusqu'à la venue de Jésus, la venue du Christ. Donc, si des personnes se posent donc la question, si ces bruits de trompettes qu'on entend, enfin ces bruits qui ressemblent à des trompettes qu'on entend dans le ciel depuis notamment 2012, pourraient annoncer ces fléaux, cette fin du monde, enfin fin d'un monde. Apocalypse en grec, hein, veut dire révélation, dévoilé, hein, donc ça veut dire révélation, ça ne veut pas dire fin du monde. Hein, Apocalypse, vous regarderez la racine, l'étymologie en grec, veut dire révélation. Donc, par rapport à cette suggestion d'André, je me suis dit, donc il m'a demandé d'essayer de voir avec les oracles. Donc, comme personne n'a d'explication à ce phénomène, et beaucoup parlent aussi de canulars, évidemment, mais quand la science ne sait pas expliquer les choses, c'est plus facile de tourner à la dérision plutôt que d'avouer qu'on ne sait pas ou de poursuivre des recherches. Donc, admettons que plein de gens sur la planète entière et tous fait des canulars, ce dont je doute. À ce moment-là, on va voir, hein, les cartes, ce que les oracles peuvent nous dire. Alors, c'était difficile de choisir deux oracles pour ce genre de questions, hein, parce que je vais demander, voilà, si les oracles peuvent nous éclairer sur ces bruits réellement, ces bruits que les gens entendent, voilà, qu'est-ce que ça peut être, hein, est-ce que c'est une supercherie, est-ce que c'est bon. Je me suis dit, je vais prendre l'oracle de la triade, parce que c'est vrai que c'est un jeu qui est plein de symboles. Ésotérique, hein, c'est un jeu qui est plein de symboles, qui est très spirituel. Et j'ai pris le tarot Oramour parce qu'il y a certaines cartes qui pourraient éventuellement aussi nous aiguiller. Hein. Les autres oracles, je ne vois pas comment ils auraient pu répondre. Alors en fin de compte, donc, on va demander, les oracles peuvent-ils nous dire quelle est l'origine réelle de ces bruits entendus dans le ciel, dans différents pays du monde, depuis plusieurs années, notamment 2012, quelle est l'origine réelle de ces bruits ressemblant à des trompettes? Alors, on a dans la coupe le frère, les frères, donc frères en humanité, ça c'est ce qui me vient. On a la sagesse.
la sagesse avec l'œil d'Horus, avec le point qui signifie la lumière, l'immuabilité, avec la pyramide, donc qui est avec le nombre d'or, hein, qui est aux dimensions, proportions parfaites. Donc là, c'est vraiment une idée avec ce fond bleu de profonde sagesse. Voire de, c'est pas la carte qui parle de divin, mais ça peut parler de du divin et les humains, là je vois l'humanité dans la carte des frères. Alors, quelle est l'origine des sons entendus dans le ciel qui ressemblent aux trompettes? On a encore une fois la carte de la pyramide. Alors, là on voit qu'il est question d'énergie. Hein, donc certaines théories maintenant remettent en cause le fait que les pyramides soient des tombeaux, puisqu'il n'a jamais été trouvé de momies, etc. Donc elles pourraient avoir été des centres énergétiques. Alors là, moi je vous envoie à faire des recherches. Hein, malheureusement, là, je ne peux pas tout. Mais moi, hein, j'en suis qu'au stade des recherches. Donc elles seraient des centres énergétiques. J'en sais pas plus que vous, elles ont été faites avec des dimensions parfaites, notamment le nombre d'or. Et si vous avez entendu dire aussi, entendu parler aussi, Khéops, Khéphren et Mykérinos, donc au Caire, elles correspondent à l'emplacement d'Orion. Donc la position de ces trois pyramides correspond à l'emplacement d'Orion, de la constellation d'Orion, ainsi que d'autres sites dans le monde, hein, je crois aussi d'autres sites en Amérique du Sud. Donc rien n'est dû au hasard et elles ont bien été positionnées d'une certaine manière volontairement. Donc là, ça nous parle de ça, l'élévation. Donc ça pourrait aussi parler d'ondes et d'énergie, hein, c'est ce qui me vient, parce qu'il y a eu aussi des explications sur ces sons qui pourraient parler d'ondes sismiques. Donc là, ça peut résonner avec tout ce qui est énergie. Donc, on va continuer. Là, ça nous parle d'isolement. Le noir, l'isolement. Cette carte, si vous regardez bien, il y a une ligne horizontale qui sépare, comme plusieurs cartes dans la triade, qui sépare en deux parties le monde spirituel et le monde terrestre, donc qui marque la limitation entre ces deux mondes. Donc, est-ce que ça pourrait avoir un lien entre eux? La frontière entre les deux mondes. Et effectivement, on arrive avec la carte de l'éternité qui parle de l'au-delà, qui parle de l'éternité des âmes, avec le 8, le symbole de l'infini. Donc là, c'est une carte hautement spirituelle, hein, qui parle du royaume où les âmes sont. Les âmes sont éternelles. Donc là, pour l'instant, là, je dirais que ça a quand même quelque chose de spirituel et là, qui pourrait être aussi lié aux ondes. Donc, on va continuer le jeu. Ah, la réponse, les tentations. Alors, les tentations, la tentation, c'est une carte qui peut parler de préjudice, qui peut parler de tromperie. Donc, ça peut vouloir dire qu'il y a certaines vidéos, certains sons qui ont pu être des canulars. Hein, donc, sans englober tous, évidemment. Parce que là, la tentation, c'est une carte de vice, de tromperie. Donc, certains ont fait des défauts, hein, peut-être dans ces vidéos. Et pénitence. Donc, c'est une idée de regret. C'est une idée de punition. Alors, cette carte, elle a double sens. Elle peut nous parler du regret de certaines personnes qui ont fait des canulars, hein, ou qui pensaient peut-être pas que ça aurait un tel retentissement. Mais ça peut parler aussi... parce que dans l'histoire des trompettes de l'Apocalypse, c'est les sept fléaux qui sont annoncés sur l'humanité, hein, justement, donc par rapport aux écrits bibliques, par rapport à la désobéissance des hommes, entre guillemets, et donc qui serait une sorte de punition divine, hein, donc pénitence avant le retour du Christ. Donc là, ça me fait penser, on a ces deux aspects là qui s'entrebriquent dans ce jeu, qui pourraient dire que oui, il y a certains canulars. Oui, il y a une dimension spirituelle qui est montrée par cette carte, surtout par l'éternité. Et l'élévation, donc là, ça peut nous parler de force tellurique, d'onde. Hein, ça peut parler d'élévation spirituelle. Donc, celle-là, elle est double et celle-là, elle est double aussi. Alors, on va essayer de recouvrir celles qui sont un peu à double langage. Bon, alors celle-ci,
Donc les préjudices, vices, tromperies, donc c'est qu'il y a eu effectivement des canulars, donc notamment dans des pays étrangers, hein, au bord de l'eau ou étrangers. Donc bon, là, ça nous situe. C'est vrai que ça a été filmé dans plein de pays. Alors, la pyramide, eh oui, donc là, c'est hautement spirituel, hein. Le delta, c'est une carte qui nous parle de la connaissance du divin, de la clairvoyance, hein, l'œil, alors ne le voyez pas dans ce qui a été détourné après dans différentes entités, dans différents groupes. Là, il faut le voir comme l'œil de la connaissance, de la clairvoyance, c'est le divin. Alors, le fond est violet, c'est bien la couleur du divin, de la spiritualité. Sur chaque côté du triangle, il y a trois rayons d'or. Donc, 3 fois 3, ça fait 9. 9, c'est la sagesse. Le 9, c'est fin d'un cycle, début d'un cycle. Enfin, toute cette carte est hautement spirituelle, peut symboliser le divin. Donc là, on est vers une élévation vers le divin. Donc là, c'est plus spirituel. Donc là, les trompettes de l'Apocalypse, ce serait plus un lien avec le divin pour l'élévation des âmes avec cette carte de l'éternité. Alors, l'isolement, on a la famille, on a le foyer, on a les racines. Bon, il y a tout le symbolisme aussi, hein, de l'arbre. Après, bon, moi, je n'ai pas d'enseignement plus poussé dans l'ésotérisme. Donc, après, peut-être si ça vous intéresse de vous renseigner sur toutes les lames de l'oracle de la triade. Mais sinon, au niveau divinatoire, c'est une carte qui parle surtout des racines, du passé, de la famille, des fondements. Donc, c'est un arbre qui est renversé. Vous voyez, il y a les racines en haut, là, dans votre sens, et le feuillage en bas. Donc, il est inversé, c'est pour montrer le lien entre les racines terrestres, hein, de l'incarnation et également nos liens vers le spirituel. Donc là, c'est tout, c'est l'humain qui est à la fois incarné et à la fois un être spirituel. Mais là, sur la carte de l'isolement qui nous montrait la séparation entre les deux mondes, donc c'est ces deux cartes qui résonnent, hein, vis-à-vis de ça, hein. On est des êtres spirituels incarnés dans un corps physique. Et cette histoire aussi qui me fait penser au retour vers la racine, la famille, les fondements, puisque dans l'histoire des trompettes de l'Apocalypse, c'est des fléaux qui s'abattraient sur les hommes qui auraient perdu justement toutes ces valeurs. Donc c'est pour ça me fait penser à ça, la famille. Et là, la pénitence, et on a encore la carte de la coupe, la sagesse. Donc là, c'est bien la deuxième version là, dont on parlait, c'est-à-dire que pas dans le sens d'une punition divine, mais dans le sens peut-être de repentir sur. Donc, bon, c'est très très spirituel hein, ce dont je parle, c'est même pas. C'est dans le respect de toutes les religions, hein, là, bon, même si ça parle du livre de l'Apocalypse. Il n'y a pas du tout de. D'ailleurs, moi, je ne suis pas une pro dans ce domaine. Donc, l'histoire de punition, là, de pénitence pour acquérir plus de. Avec la sagesse dessus, donc ça parle bien d'apprentissage et d'évolution que doit faire l'homme, l'humain, dans ce monde, sur cette terre. Donc, moi, je dirais pour l'instant qu'il y a les deux aspects pour ces sons de trompette, là. Il y a à la fois, effectivement, quelque chose qui peut être du domaine du surnaturel, spirituel. Hein. Là, on voit vraiment bien avec la divinité, le divin, l'âme, le monde terrestre, le monde spirituel. Donc, l'isolement, l'homme est séparé de sa part divine pendant son incarnation, mais c'est un tout, hein, c'est un être spirituel incarné dans un corps physique. Donc, ça, c'est pour dire à l'homme, n'oublie pas que tu n'es pas qu'un être de chair, tu es aussi un être spirituel incarné. C'est à ça que me font penser ces cartes. Donc il y a bien quelque chose au niveau de l'âme, de l'évolution de l'âme. Il y a eu aussi des canulars, certainement dans certains pays étrangers, il y a eu des canulars. Et donc des gens qui ont peut-être pris des bandes sonores et qui les ont mises. Hein, donc ça, faut pas écarter. Là, les cartes nous disent qu'il y en a eu aussi. Et là, c'est une idée d'évolution, hein, de repentance entre guillemets, mais d'évolution pour l'homme vers plus de sagesse. Alors ben, je vous propose de changer de jeu. Parce que là, je pense qu'il a très bien parlé, celui-là. Et on va essayer avec le tarot Oramour, qui a certaines cartes intéressantes aussi. Alors, que peut nous dire cet oracle sur les sons ressemblant à des trompettes
qui ont été entendues et filmées depuis plusieurs années partout dans le monde. Quelle est l'origine de ces sons? Inextricable. Alors là, ça donne effectivement là une idée de, pas de jugement, mais de situation inévitable, inextricable. Et un passage stérile. Donc là, ça nous parle d'une traversée du désert, alors qui peut être spirituelle aussi. Hein. Alors, quelle est l'origine des sons des trompettes entendus partout dans le monde et filmés par les gens? Encore le passage stérile. Donc là, pour moi, ça symbolise une période où l'humanité, manque beaucoup de spiritualité. Parce que là, on est dans un tirage spirituel. Hein. C'est pour ça que j'essaye de rester concentrée sur ça. Ah, on a un secret. On a quelque chose de secret, de caché, de mystérieux. Je vais la recouvrir. Les souvenirs qui a trait au passé. Quelque chose du passé qui est resté secret, qui est caché. La fête. La fête. Secret, souvenir, fête. Là, je n'arrive pas à interpréter. On va voir peut-être avec le reste du jeu. Ah, on a des espions. Il y a de la surveillance. Il y a de la surveillance. Ça peut vouloir dire que ces phénomènes sont surveillés, justement. Hein, même si on n'en entend pas beaucoup parler. Je crois que c'est passé aux États-Unis. Dans les médias, mais à part ça, c'est vrai que ça reste sur les réseaux sociaux, mais malgré tout, on nous dit que c'est surveillé quand même. Ailleurs. Alors ailleurs, c'est l'étranger. Ça peut être un autre monde aussi. Hein. Donc ça va dépendre ce que je mets dessus. L'espoir. Donc ça peut dire que c'est surveillé de l'étranger, hein, plus que... En France, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'études sur ces phénomènes. Donc... C'est à l'étranger, ils ont de l'espoir peut-être, hein, suite à ces surveillances, d'essayer d'en savoir plus. Ça, c'est prometteur, on nous dit que c'est prometteur. Alors, je vais continuer le jeu. Les épreuves et les tentations. Vous voyez, celle-là, c'est la même, ça me fait, c'est la résonance, la même résonance que la carte la pénitence qu'on a eue juste avant dans la triade. C'est une idée des tentations, d'épreuves, de fautes, de péchés, entre guillemets. Hein. La pénitence, ça me fait penser à ça, c'est la punition. Donc là, ce serait quand même l'idée de l'Apocalypse, hein, mais dans le sens révélation, pas dans le sens fin du monde, hein, je répète, je rassure, tout est symbolique. Alors, les espions, ennui de santé, bon, ça veut dire que c'est surveillé, peut-être que c'est même surveillé au niveau, si c'est des sons qui pourraient peut-être avoir... un lien avec peut-être, ah oui, j'ai vu ça aussi, ça fait partie des théories où il y en a qui disent que ce serait un dysfonctionnement dans l'oreille interne où des gens entendraient des sons. Bon, alors que toutes les personnes tout autour du monde aient le même genre de problème, ça me paraît un peu tiré par les cheveux, mais sait-on jamais. Ouais, ça c'est l'option matérialiste, hein, vous voyez. Donc, on trouve des explications bon, qui sont parfois un petit peu tirées par les cheveux, mais... ça fait partie, donc tous ont peut-être le même problème d'oreille, hein. Je dis ça, je me retiens de rire, mais bon, c'est une des options, c'est vrai, donc c'est vrai que, bon, allez, on va pas... Alors ensuite, ailleurs, espoir, donc on dit que c'est prometteur dans des pays étrangers, peut-être qu'ils se penchent là-dessus plus sérieusement, orgueil, donc il y en a qui aimeraient peut-être bien eux-mêmes avoir la reconnaissance d'avoir trouvé... La source, hein, c'est prometteur, mais ça sera peut-être dévoilé, mais dans un pays étranger. Alors, cette histoire de tentation, d'épreuve, de pénitence. Donc là, ce qui pourrait faire écho, effectivement, avec les fléaux annoncés, la migration. Donc la migration, ça c'est l'évasion mentale, hein, pas forcément physique. Donc là, ce serait une idée de pénitence, d'essayer de réparer peut-être, de rêver à réparer certaines erreurs. Hein. Donc, dans les sept fléaux, hein, je rappelle qu'il y avait annoncé qu'il y aurait une pluie de grêle, de feu, la sécheresse, la famine, enfin des choses comme ça. Et les forces du mal. Ouais. Donc là, ça nous parle vraiment des mauvais penchants hein, de l'humain. Donc là, ça pourrait parler de ces prophéties-là, de l'Apocalypse, avec le bonheur. Puisque c'est des fléaux, donc là ça nous parle vraiment du récit religieux, des fléaux qui seraient censés arriver avant l'arrivée du Christ.
Donc, et on a le bonheur à la fin, hein, suite aux épreuves, à la pénitence, aux forces du mal. Il y aurait le bonheur, donc ça annoncerait, donc ce serait la fin d'un monde et pas la fin du monde. Apocalypse, je répète, veut dire révélation, hein, donc c'est pour bien remettre, bien détendre l'atmosphère. Alors, espoir dans un pays étranger, orgueil, union. Oui, il y a des gens qui vont s'unir. On dirait qu'il y a des gens dans plusieurs pays qui se mettent ensemble, hein, avec l'union pour avoir... Bah, peut-être la reconnaissance de dire, voilà, on a trouvé d'où ça vient. Mais ça, ce serait plutôt le côté matérialiste, parce que si c'est spirituel, je ne vois pas comment ils pourront le prouver par A plus B. Hein. Alors là, secret, souvenir, la fête, là, je n'ai pas compris. La naissance. La naissance, les enfants, la naissance, quelque chose de nouveau, nouveau monde. On va fêter quelque chose de nouveau, un secret. Alors là, ça peut parler de révélation. Secret par rapport au passé, ça peut parler de révélation qui amènerait, là il y a le bonheur, là il y a la fête et la naissance, donc ça pourrait évoquer donc un cycle difficile et la fin d'un cycle difficile pour arriver suite à des révélations à un nouveau cycle qui serait dans le bonheur, la fête et la naissance d'un nouveau monde. Stagnation pour l'instant, car bon, c'est une carte qui s'appelle paresse et stagnation. Hein, par rapport à ce passage stérile, là, hein, ça fait écho à ça, où l'humanité avait cessé de progresser. Quand on cesse de progresser, on stagne. Alors, écoutez, sur le bonheur, je vais peut-être en mettre une, parce que c'est quand même une très belle carte. Ah, les captifs, ça c'est le manque de liberté. Donc, ça pourrait parler d'un changement par rapport à donc, ce qui était négatif, les forces du mal, hein, une période d'épreuve, pénitence, qui... Donc, viendrait, nous amènerait à une certaine libération, il y a le bonheur, sur cet état d'emprisonnement. Alors, tout ça est à prendre au sens symbolique. L'asservissement, bah, peut-être au mauvais instinct de l'humain, tout ça est à prendre vraiment. Alors là, c'était un tirage très symbolique, hein, à prendre avec du deuxième, troisième, quatrième degré, mais dans le sens élévation spirituelle. Voilà, donc il y a des gens qui s'y attellent tout autour du monde, qui se mettent ensemble, ces porteurs d'espoir, pour essayer de prouver. Donc certains disent que c'est au niveau santé médicale, voilà. Et là, on nous promet quand même que si c'est... Donc là, le jeu tendrait à répondre que c'est effectivement peut-être au niveau spirituel, effectivement ces avertissements pour sortir l'homme de cette période de paresse, de stagnation stérile au niveau de son élévation spirituelle, et qu'une fois sorti de ça, il y aurait, hein, des forces du mal, il y aurait un bonheur sur cette situation de captivité, d'enfermement, d'emprisonnement, et sur ce qui a trait au passé, une fête, un secret révélé, des révélations, donc c'est le... Alors là, c'est oui, c'est l'Apocalypse, ça veut dire révélation, donc c'est ça. Secret du passé, donc révélation qui amènerait à une fête, à la naissance de quelque chose de nouveau, par rapport à cet état de paresse, de stagnation, où l'homme n'évoluait plus, donc stagné. Donc là, je vais en remettre une. Et la séduction, donc ça, c'est tout ce qui était le miroir aux alouettes, hein, l'homme n'évoluait plus spirituellement parce qu'il était emprisonné dans un monde de superficialité. Moi, je vois ça comme ça, hein, au niveau spirituel. Là, c'est vraiment pas un jugement ou une opinion, quoi que ce soit. Hein. Je ne fais qu'interpréter les cartes. Le voyage. Le voyage. Donc là, il y a, vous voyez, un homme qui est assis sur la planète. Donc, c'est quelque chose qui, effectivement, concerne la Terre en entier, le monde entier, cette naissance. Donc, naissance d'un nouveau monde par rapport à une longue période où l'homme a cessé d'évoluer spirituellement par attrait de séduction, de se laisser séduire par les choses superficielles, entre guillemets. Et ce sera pour le monde entier, le voyage. Donc, et sur les captifs, l'eau à mériter, voilà. Donc, bonheur par rapport à une situation, une période où l'homme a été emprisonné, n'était pas libre dans toute sa multidimensionnalité. Et on nous dit que c'était un passage... d'initiation initiatique dans son évolution pour arriver, l'eau à mériter, c'est parfois des épreuves par lesquelles on doit passer pour arriver à quelque chose de meilleur, donc le bonheur, la fête, le renouveau. Donc là ce jeu, il nous a parlé, oui, des options matérialistes, entre guillemets, puisque c'est le nom de cette carte, qui
Donc des explications, mais la synthèse, elle est spirituelle, comme nous disait l'oracle Béline. Donc malgré quelques canulars, comme nous a dit la triade, pardon, malgré quelques canulars, comme nous a dit donc la triade, en gros, c'est quand même spirituel. Alors, donc, c'est à prendre au sens symbolique. Moi, je n'ai pas plus de renseignements que ça. Mais donc, peut-être qu'effectivement, au niveau spirituel, l'homme est amené à, voilà, à devoir évoluer. Mais donc, ces trompettes, on a eu plusieurs explications. Donc, écoutez, c'est des tirages de cartes, hein, même si j'ai essayé de les faire du mieux possible. Donc, prenez beaucoup de recul par rapport à tout ça. C'est un sujet qui a peut-être pu intéresser certaines personnes, donc, comme André. Donc, voilà, mais prenez beaucoup de... Prenez que ce qui vous parle, hein, ce qui résonne en vous, et puis... c'est tout, c'est fait pour ça, hein. Chacun en tirera ce qu'il a envie d'en tirer, mais en restant toujours très très optimiste, positif, et en sachant que tout cela est hautement symbolique. Donc tout va bien, voilà. Alors j'espère que ça aura répondu, et puis je vous dis à bientôt pour des prochains tirages.